Et bonjour à tous et à toutes sur YouTube, c'est la rediff du quatrième stream sur Red Dead Redemption. On va attaquer Fort Mercer dans celui-ci et bah, certainement attaquer la deuxième grosse quête du jeu sur les trois. On approche pas de la fin, mais on approche de la moitié là. Au niveau du solo, bien sûr. Enfin, au niveau de la quête principale. Putain, mais j'ai perdu mon cheval blanc quoi! Comment il faisait Henri IV sans son cheval blanc? Alors est-ce que j'avais prévu de faire des missions secondaires? Certainement. On va aller là, je sais pas ce que c'est. Bon, celle-ci elle est chiante donc on va pas la faire. Putain, à chaque fois faut que je me réhabitue. À la lenteur, enfin, ah bah du coup je suis allé trop vite. Tu veux plus faire de duel? À la lenteur du gameplay. Enfin pas du gameplay, de la console. 20 FPS. Ligoté le mec. Oh, je sens que le jeu il va me faire une connerie. Ah, mais il y a des ennemis. Non mais il a relancé la mission secondaire, mais moi je m'en fous de la mission secondaire, c'est enfin, il a relancé l'attaque de fort, mais je veux pas faire l'attaque de fort, moi. Thanks, sport. You are a true American hero. Right. What are you doing down here? Just thought I'd see a little bit of the local color, you know. But these gentlemen have seen to it that I've enjoyed the true hospitality of the. Bon, c'était pas mon délire, les yaoi. Cigar? Let's get out of here. Right. Je suis hypé parce qu'il y a Guacamelee 2 qui sort à la fin du mois d'août. Je fais certainement le jeu en stream parce que c'est un jeu assez court, ça me prendra un stream ou deux pour le finir. Bah, j'ai le premier tome de Jean-Luc Nos Révolutions. J'ai pas pris le deuxième parce que j'avais pas de sous quand il est sorti, j'ai plus d'enfants. Ok, je sais plus. Ah, le deuxième premier tir autant était foiré, autant le deuxième j'étais sur la tête de l'animal. C'est pas grave. J'ai merci grâce, pourtant je vais te laver. Tant pis. Thank you.
Je gagnais de la réputation. Je viens d'abattre une femme sans défense. Elle a une balle en pleine tête alors qu'elle était désarmée. Elle se rendait, elle m'a même donné de l'argent et j'ai gagné de la réputation. Ah putain. Ah mais c'était toute la stratégie. Déjà son petit piège à la con n'a pas marché, j'ai vu clair dans son jeu. Et je sais que, enfin c'est pas la première fois que je tombe sur cet événement. C'est le premier GTA, parce qu'il y a beaucoup d'événements comme ça dans GTA V. Mais c'est avec Red Dead qu'ils ont fait ça en premier. Ces événements aléatoires. Et oh il s'est passé quoi ici? Bon on s'en fout. Tout ça. Et en fait, ceci, bah, je m'étais déjà fait avoir la première fois que j'avais fait le jeu. Du coup, maintenant je sais qu'elle donne de l'argent si on tue tous les mecs. Donc autant en profiter, hein, faire d'une pierre deux coups. Ah, ouais, parce que j'ai des potes qui sont coincés dans l'aéroport de Genève pendant 25 heures, donc ça me fait beaucoup rire. Mais tu sais, il n'y a pas de petites économies, hein. Une balle ça coûte moins cher que l'argent qu'elle me donne. C'est vrai que j'aurais pu la laisser vivre, mais elle aurait pu continuer ses méfaits, hein, bien sûr. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Avec moi, il n'y a pas de récidiviste. Je croyais qu'on pouvait monter plus haut. Allez! Mais on ne peut pas. Salut Antoine Gaming 12. Oui. Oui. Comment? Et c'est chaud à cheval en vrai. Yes. Ça va me faire un peu d'argent, ça remboursera les balles que j'ai gaspillées. Ah c'est un corbeau, merde ça vaut rien. C'est quoi mes défis de chasse? Si jamais je joue l'animal, ça serait pas mal. Grand chasseur, tuez 5 loups avec votre couteau. Ah ouais, merde, il me faudrait des loups du coup. Mais arrête de hurler comme ça. Putain, les montées, mais c'est fait des montées de vélo, ça, c'est pas des montées de chevaux. Mais arrête de venir, ferme ta gueule. Le Rio Bravo. C'est une des meilleures missions du jeu. J'ai tellement hâte dans le 2. Je crois que la région du 1 sera entièrement intégrée dans la carte du 2. Ça sera une des premières fois que je vois ça dans un jeu, quand même, de mémoire. Managed to get himself inside.
but we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Hmm? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. Question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Waouh, cette image. J'avoue que le plan est cool. Cool, 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 cool. Sweet, 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 sweet. En temps de chargement dit. Pourtant, il a la cinématique pour charger. Non, mais c'est vrai ça, Mook, vu que toi tu as une culture non négligeable. Un jeu à monde ouvert, dans le 2 où t'as la carte du 1 qui est intégrée, ça te dit quelque chose ou y a... Enfin après, ça se trouve ils vont pas le faire pour Eden, mais les rumeurs disaient qu'il y aurait la carte du 1 dedans. Come on. Let's go. Un 2 ou un 3, enfin il y a un truc où tu reviens en monde ouvert, je parle, parce que sinon dans MGS4, hein, bien entendu. Ils auraient dû le faire dans MGS3. Moi je maintiens que dans MGS3, ils auraient dû remettre... Non, c'est faux pour GTA 5. Pareil pour GTA 4 du coup. Mais pour... moi je maintiens qu'ils auraient dû mettre... faire un truc à Groznijgrad dans MGS5. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. C'est ça. I'll be honest with you, John. I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. Après, ça se trouve, c'était la rumeur à l'époque et ça va peut-être pas être fait, hein. D'ailleurs, le premier trailer de gameplay devrait pas tarder à tomber s'ils suivent la logique de GTA V. Greetings, my good men. What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the east. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. Ah, mais non, mais d'accord. Yeah! Tellement marrant la Gatling, elle obitère les mecs. Ah ouais, j'ai compris, mais du coup, c'est pas pareil. Peut-être que Guild Wars 2 reprend la carte de Guild Wars 1 par contre.
dang pig. Them cocksucking some bitches escaped the other side of the fort. All right, let's go. All right, boys, let's finish this. Ah, j'ai pas mal de munitions de fusil à pompe. On va pas entendre le team. Ouais, bah après, même en dehors des open world, je pense qu'il y en a plus, mais y a rien qui me vient à l'idée. À l'esprit plutôt. Après, je dis ça, ils vont peut-être annuler l'idée, hein. Ah oui, bah oui. Dans la même zone? Bah sinon il y a dans le 13 et 13-2, non? Mais après ça reste plus ou moins le même jeu du coup. Enfin... Ce shotgun fait tellement pas de balles, je vois pas l'intérêt d'utiliser. Pas de dégâts, je veux dire. Tellement kiffant la Gatling. Alors sur les mecs à pied c'est rigolo mais ça va. Mais sur les mecs à cheval putain c'est tellement le kiff de les voir se casser la gueule voilà comme ça. C'est tellement une séquence de ouf de faire ça. Ah, j'étais à Liberty City Stories et j'étais à Vice City Stories. Les cartes changent un peu, mais c'est bien les mêmes. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Ouais, c'est pour ça. Bah là, je pense qu'ils vont faire pareil, parce que dans Red Dead 2, ça se passe pas mal de temps avant. Genre 10 ans avant, je crois, ou 15 ans. Chupa feckin' Rosa! Oh, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. And just get me things. I'm sorry. Non! Il y a plusieurs années hein, entre Vice City Story et Vice City. So it would seem.
wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. Whoa. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? All right, boys. That's enough. Je crois qu'il y a un truc comme ça, mais c'est plus du genre, t'as un fast-forward. J'ai pas fait Liberty's Stories, moi. Liberty's Stories, par contre, le personnage de Liberty's Stories, on le voit un moment, dans GTA 3, pas longtemps. Bah, un peu comme le mec de Vice City, tu me diras. Tellement d'armes échouées. Putain, mais j'ai pas trouvé de fusil encore, c'est ouf. Alors le fusil à verrou. Tellement craqué. Allez. Il est où? Il est au ferry, c'est ça? Ouais. Non, on le voit beaucoup moins que ça. Il nous donne une mission. Il nous donne une mission alors que Claude. Dans GTA 3. Dans San Andreas, on ne le voit pas beaucoup, mais il est là sur deux ou trois missions cinématiques, et après, il y a des coups de fil. Mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert super tard que Claude et Catalina... Parce que j'ai commencé par faire GTA San Andreas. Ah, merde! Fuck! Je pensais que ça passait, mais je me suis cru dans... Je me suis cru dans Skyrim. Que Catalina c'était la méchante de GTA 3 quoi. Et Claude le personnage principal. Tellement taré Catalina. Bah c'est cool, il m'a avancé le jeu, il est sympa. Oh le cheval a survécu, fantastique. On va faire le tour. Hein. Je l'ai fait, j'étais à 3 pour la première fois il y a presque un an et demi. Un an et demi même, c'était en décembre 2016, donc ça fait plus d'un an et demi. Et j'étais tellement choqué que t'as une île entière. Sur les t'as quand même 20 heures de jeu à peu près, je crois peut-être moins, vers 15-16 heures. Il est pas si long que ça, il est dur. C'est pour ça que tu prends beaucoup de temps à le faire, mais... T'as une île entière qui est sous-utilisée de ouf. Même pas, qui n'est jamais utilisée. C'est des loups ça. C'est l'heure de sortir le couteau. On m'appelle le chasseur de loups. Ouais, pour moi, le meilleur serait San Andreas d'un point de vue jeu. Vice City, je sais pas si je suis quand même plus attaché à Vice City ou San Andreas. Je suis vraiment très attaché au 2, le 3, avec le recul. Il y a pas mal de trucs pénibles dans le 3. Hein. Des missions chiantes, des mécaniques chiantes. Non, peut-être fouiller les autres cadavres, ça serait pas mal. Pas de petit profit. Je crois quand même que le GTA... Alors mon préféré maintenant, là, avec le recul, je dirais que c'est le San Andreas. Ça reste... Ouais, San Andreas. Mais je pense que celui sur lequel j'ai plus
passé de temps, enfin pas mon préféré, mais celui que je trouve le meilleur. Mais celui sur lequel je me suis le plus éclaté, j'ai passé un temps de ouf, c'était GTA 4. GTA 4, je connaissais la ville par cœur, j'avais fait tous les DLC plusieurs fois, pour des raisons toutes cons en fait. Hein. Oh super, les sangliers, c'est genre l'animal le plus rare du jeu. J'en trouve jamais des sangliers dans le jeu. C'est ça. Moi, le 3, pas du tout. Vice City et San Andreas, je les connais par cœur. Quoique San Andreas, peut-être moins, elle est quand même super grande. Ouais, mais le 5, elle est petite. Enfin, elle est pas si grande que ça, quoi. Même si j'ai découvert après peut-être 40 heures de jeu qu'il y avait des vignes. San Andreas, je pense, je connais quand même autant la partie Los Santos, je la connais très bien. La partie, le désert, quoique par exemple la base 51, j'ai jamais beaucoup trop traîné quoi. Enfin la base 69. Mais la partie désert et la partie... Toutes les parties campagne, je connais bien. Par contre, Las Venturas, la ville, et San Fierro, la ville, je connais un peu moins, tu vois. Le nord de San Fierro aussi, où tu passes le permis bateau, je connais quasiment pas. J'ai très rarement été. C'est quoi un J-turn? Je connais les U-turn, mais les J-turn. D'accord. Calogero. En apesanteur. Tu sais qu'il devait y avoir des avions dans GTA 4. Ils les ont pas osé les mettre à cause du 11 septembre. Ah, des munitions de fusil, mais je n'ai pas de fusil. Et j'ai un fusil. Voilà, c'est pour ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a le fusil Springfield. On rêve de grandir face contre terre. Oh oh. Ce qui me fait rire, c'est que là, en fait, ma carabine, elle tue en deux balles, mon fusil tue en deux balles, je vois pas l'intérêt d'utiliser le fusil. Quoique, peut-être que le fusil tue en une balle dans le haut du torse. Ta-pa-da-ta-ta-ta-ta. Cabron.
Non, je l'ai one shot en fait avec le fusil. So much for a warm Mexican welcome. Voilà un petit peu de. Mais elle doit couvrir, espèce de con. Forcément, j'y vais, je la fais de nuit, quoi. Obligé de repérer les ennemis au flash des tirs. Oh, je croyais que j'allais tomber du bateau. Mais pousse-toi! Je te jure, je te bute. Genre là. Ah bah si, je te vois, toi. Ah, mais je l'ai eu. Oui! Pouf. Rendez-moi des munitions. Bon, je sortirai la carabine. De toute façon, j'ai 170 balles, ça devrait le faire. Il y a personne ce soir, hein. Attendez, parce que j'ai le câble de ma manette qui me gêne en fait. Mais mets-toi à couvert, espèce de bourré. Mais je vois rien, il fait nuit. C'est vrai, j'ai pas prévenu sur YouTube. Je préviens pas à chaque... Ah mais j'avais pas la bonne carabine, c'est pour ça. Je préviens pas à chaque fois. Hein. Bon, on va un peu tricher, vous m'en voulez pas. Sinon, j'étais persuadé que c'était avec 16 qu'on traversait et pas avec l'Irlandais, comme quoi. En vrai, il y a la propreté de certaines animations, quoi. Genre accroupi, les mouvements, tout ça, c'est propre de ouf. Non, El Rato, ça veut pas dire chat. Je crois qu'on va pas tarder à arriver. Oh, il y avait un bout de cervelle qui a giclé, c'était sympa. Très convivial. Oh, j'ai cru voir du mouvement par là. Well,
J'ai pas assez de... Pas assez de portée avec le truc. Vendredi, samedi et dimanche. Alors, vendredi, dimanche, ça risque d'être un peu tard. Samedi, ça risque d'être pas très longtemps, pour être tout à fait honnête. Vendredi aussi, ça sera pas longtemps, ça sera 1h30, 2h. De 23h30, je dirais, de 23h, 23h30 à 2h du mat, grand max. Parce que le lendemain, je fais 11h, 21h15. Samedi, c'est un peu la même idée. Dimanche, je sais plus à quelle heure je termine. C'est ça. Donc dimanche ça sera toute la soirée. C'est parti à 21h45 je pense. J'ai si chaud putain. Mais arrêtez de me tirer dessus! Maintenant, je commence à voir les limites de la carabine. Où? Oh la belle bleue. Merde. Mais il est où? Ah putain, il est dans l'eau. Oh les gars, vous m'avez tout saoulé. Pas un pied dans l'eau, moi, trop dangereux dans le jeu. Before you degrade these poor fools any further, tell me where I'm headed. Of course, let me think. You do know people down here, aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. You know how it is. I met an American guy, saw him shoot a man, drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Or was that Canada? No, that was Canada. Guy here, not funny, but he's real nice. Failing that, you could try the provincial governor, Colonel something or other, some Spanish name. He's based out of Escalera. Played three-card stud with him. Or was it four-card Monty? I forget. Hey, he was a real nice chap. Maybe he was a real bastard. I was real drunk last time, John. Well, thanks a lot for your help. Oh, let me guess. You gotta be on your way. The famed hospitality isn't what it once was. And I've never been known to overstay me welcome. So off I go to greener pastures. Good luck, John. You're an angry and a fat, ugly man. But not a bad one. Le truc sur... on n'est pas sur un truc de P à trois petits points. En fait, si. Ouh, perte de co énorme.
Putain, ils m'ont donné un cheval pourri, quoi. Putain, mais on est là. En fait, c'est ouf. Comment se déplacer lentement, j'ai fait que ça, en fait. Et c'est ouf comme le Mexique, tout se passe vraiment à l'ouest, là. Enfin, pas tout, mais il y a une grosse partie qui se passe par là. À l'ouest, en fait, de cette région. Je sais plus, non, c'est Perdido, c'est ça. Et, tout à l'ouest de Perdido, les Diez Coronas, on y va très peu, finalement. Soy un perdido. Et alors que là, tout le début du jeu se passe au milieu. Et ici, on n'y retourne plus, quoi. On y fait 3-4 missions et... Fait chier, il fait nuit. Je déteste la nuit dans le jeu. Oh, j'ai drifté avec le cheval. Violent. Non, non. Oh. Oh non. Ramène la neige. Je sais pas les paroles. Mais j'ai Love Theme de la, dans la tête. Love Theme de MGS4. Of course! Ah, mais je vais pouvoir faire la chasse au trésor. C'est où déjà? Putain, s'il faisait jour. Salut prophète. Rio del Toro. En fait, je vois très bien à quoi ressemble l'endroit. Je sais plus où il est sur la carte. Del Lobo Rock, Green Hollow. Rio del Toro. Plain View. Petite référence à Zaruil Weblood. C'est Even Ending. Bon, on va suivre le bord du 28 octobre. Ah mais attendez, mais il y a la forme, je suis con, il y a la forme du fleuve sur la carte. Donc c'est quand le fleuve, il fait une petite pointe vers le haut comme ça. Donc c'est là. J'ai pas l'impression que ce soit la mer. Non, c'est pas du tout. Bon, je vais aller passer 2 jours parce que là il fait trop nuit. Ben, en fait, le truc c'est qu'il faut que je vois comment je fais aller faire pour monter sur Paris et aller au concert de MGS. Mais si, je vais prendre. C'est peut-être le jeu que j'attends le plus depuis pas mal d'années maintenant. Ah putain, mais c'est vrai que dans un camp, si on sauvegarde pas, le temps ne passe pas. Enfin, je crois. Ou alors, c'est vraiment, j'étais vraiment au début de la nuit. C'est sur la route. Non, mais je vais aller chez mes potes du Nez Chaud, je pense. C'est en même temps que la Paris Games Week, peut-être que j'irai à la Paris Games Week hein, cette année. Hein. Je sais pas.
Bon là ça devrait être un peu plus simple pour trouver le coin. Non mais c'est plus... Je crois que c'est après Chuparo ça. À mitad de la baya. Baila morena. Ah, il y a un arbre là. Un tatou. Viens là, petit tatou. Alors, faut pas que je lui fasse trop de dégâts, sinon il explose. Ah, mais j'ai tellement hâte du 2. Les gars, vous rendez pas compte. Mais là, cette année, les 6 derniers mois de cette année sont ouf. Je pense qu'il y a au moins 8 jeux que j'attends comme un ouf. Peut-être pas 8, peut-être beaucoup, mais 5, c'est sûr. J'ai réduit de 36,5%. C'est pas la question. De 37,5%. Non. 12,5%. Ouais, c'est ça, de 37,5% mon chiffre, mais. Ah. C'est pas cet arbre-là. Pousse-toi, cheval de mes deux couilles. Ah, c'est là. Alors, Rio del Toro. Ah bah voilà, Rio del Toro. On y est. Ah, mais Spyro. Spyro, Guacamele 2 qui sort dans un mois. Je me concentre pour tout citer. Battlefield 5, je pense que je le mets pas dedans. Parce que voilà, faut pas pousser. Mais... Non, Tomb Raider, on met pas dedans. Bon, il y a Spider-Man, Spyro, Guacamele 2. Red Dead. On dirait que là, on est déjà à 4. Et en plus, il y en a plein que j'entends. Assassin's Creed. Parce que moi, j'adore la nouvelle version d'Assassin's Creed. Il y en a d'autres, mais il y en a un qui me vient. Parce que forcément, je suis comme ça. Ah, mais c'est le fameux rocher en forme de bite. Bon, il n'est pas du tout en forme de bit, mais... Alors, je sais plus si c'est celui... Cool. En fait, je sais plus si c'est celui qui est là. Ou si c'en est un qui est dans le... Qui est en... Au Mexique. On va aller voir. Le pont, de toute façon... Il n'y a pas un pont normalement qui est censé être juste derrière moi en fait. J'ai la tenue légende de l'Ouest. Ah non, maintenant je sais comment faire pour l'avoir. C'est ça. Non mais cette année elle est exceptionnelle hein, d'un point de vue jeu vidéo. Monster Hunter qui ressort sur PC. Bon je vais pas le prendre, je vais essayer d'être raisonnable. Il y avait Code Vein aussi mais il a été repoussé. Bon c'est pas plus mal. C'est un sanglier ou j'ai rêvé? C'était l'ombre. Sanglier est tellement dur à trouver, je vous jure. Mais je sais qu'ils traînent par là en fait. Non, ce ne sont pas des sangliers. FF15-2, lol. Lol. D'ailleurs, on devrait approcher de la Gamescom. Il y a des conférences à la Gamescom cette année. Quelqu'un peut check? De FF15?
Moi j'attends impatiemment, c'est la prochaine saison de Rainbow Six. Putain, mais les gars, Rainbow Six c'est un truc de ouf. Hein. J'étais sur une très bonne période il y a 2-3 jours. Là, depuis hier soir, c'est la cata. Soit j'arrive pas à jouer, mon équipe est bonne, mais j'arrive pas à combler le trou. Donc on perd. Soit je fais des games de ouf, mais genre vraiment de ouf, mais mon équipe ne vaut absolument rien. Donc on perd. Il y a juste hier où j'ai fait une game vraiment impressionnante que j'ai pas enregistrée. C'est cool. Ah bah merci quoi, putain, une recherche Google. Putain, je te jure, t'es pas un gars bien toi. T'es vraiment un fourbe. Hein. Allez, je sens qu'ils sont par là, les petits doigts en forme, les petits arbres en forme de bit. Les rochers, le rocher bit. Bah non, c'est pas là le rocher bit. C'est pas là les rochers bit. Survive 2. Pourquoi vous me parlez? Tant pis. Non bah c'est au Mexique mais je sais plus où. Donc non, je sais pas quel jeu je dois faire à la fin de l'année, en tout cas j'ai oublié. Mais t'inquiète, ça va faire comme le premier. Je l'avais depuis des années et d'un coup, je me le fais et je l'ai dévoré en 3 jours. Je me suis éclaté. Eh oui, dans le bâtard, je suis parrain maintenant. Je suis parrain d'un petit. D'un petit enfant. D'ailleurs, nouvelle photo de profil sur Facebook. On peut me voir dans les mains de mon dans les mains de mon filleul. Non, on peut me voir avec mon filleul dans les mains. Fier, il est trop mignon de personne. Il a pas bronché. MGS, trop... Arrêtez de dire des conneries là, vous êtes relou. Déjà, personne peut juste aller check sur Google conférence Gamescom. Il y a D3 aussi que j'aimerais faire. J'ai beaucoup critiqué, mais vous me connaissez, je critique, mais en vrai, j'aime bien. Merde, faut tirer sur qui? Moi je dirais qu'il faut tirer sur lui. Ah, pas le bon! Du coup, dans le doute, je tue les deux. Pardon, excusez-moi. Grave, mais je crois que c'est copyrighté as fuck, alors je vais pas prendre de risque. Un tatou? Un tatou! Bang le tatou! Vous avez vu l'histoire? Je crois que c'était en Floride. Non, ça doit être au Texas. Je pense pas qu'il y ait de tatou en Floride. Du mec qui avait un tatou dans son jardin. Le tatou lui avait rien fait. Il a tiré dessus avec une arme de petit calibre. Je sais plus si c'était de la 22 ou du 38. Enfin bref. Une arme pas trop, une balle pas trop puissante. Ça a ricoché sur la carapace du tatou. Il s'est pris en pleine tête. Il est pas mort, hein. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Faut pas tuer les tatous en vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux vidéo où on peut chasser. Vraiment, moi la chasse dans les jeux vidéo c'est un truc que j'adore. Parce que en vrai je trouve ça hyper... C'est pas bien quoi. Ça sert plus à rien de chasser maintenant. C'est vraiment un loisir morbide et égoïste. De chasser, c'est tuer en fait, parce que t'as juste envie de tuer des êtres humains, mais tu peux pas, alors tu le fais à des animaux. C'est un peu simplifié, mais c'est comme ça que je vois les trucs. Et du coup, dans les jeux, on peut le faire. Ouais, t'as vu le mec bien fait. Dans les jeux, on peut le faire et c'est bien. Mais c'est comme tuer des êtres humains d'ailleurs, hein. Dans les jeux, on peut le faire. Je pense que ça va être plus simple d'y aller à pied. En plus, la mission là est trop cool. Ah, je peux plus faire l'autre mission en D. Ah non, c'est qu'elles sont alignées.
Les astres sont alignés. Je vais enfin avoir ma tenue préférée. Allez! Je sais pas si je peux l'avoir tout de suite s'il faut faire des missions. Non, faut pas tuer Irel. Du moins pas pour le plaisir. Pour se défendre, pour se nourrir, je veux bien. Mais quand je dis pour se nourrir, il faut que ce soit un besoin. Ah, ça a lancé la mission, j'étais à l'autre bout de la ville. Ah bah non, mais tu peux les séquestrer, ça c'est totalement autorisé, ça. Non? C'est pas autorisé? No, sir. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo flippy little Mexican. Hablo little piece of cheese. Comprende, amigo? Comprende? Twitch merde. What are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Ah oui, on va avoir un putain de flingue après le Schofield. Oh, les tards, hein! Putain, il y a Darksiders 3, voilà que je veux faire. A little taxation! I have a large family! Il y aura DMC5 de jouable. I too have a family friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Can I see the boots, gringo? J'espère qu'il y aura du gameplay à être présenté. Take off your boots, Americano. As you wish. On fait pas genre un duel à 3. Ah non, il va aller descendre les 3, ça va être trop drôle. Pourquoi il y aura 3 persos jouables? Ah ouais, je savais même pas qu'il y en avait deux, tu vois. J'ai tellement hâte de refaire les DMC, vivement que je finisse RDR. Hein. T'es bien cette phrase. Si jamais il faisait une adaptation live de RDR, je sais quel acteur choisir pour jouer ce mec là. Il faut... Alors je le mets sur le chat. Putain, mais Mook! Mook m'a tellement doublé! Mook m'a tellement doublé! Magnifique. Comment tu savais que j'allais le sortir? Means a little. You were famous when I was a boy. Bah justement. Yeah, killing men's a strange kind of fame.
I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Tu as dit le choix. Williamson, Javier Escuela. Mais c'est fou que tu aies pensé au deuxième run parce qu'on le voit pas souvent. It could be this whole place is teeming with with Americans on the run, mercenaries, locals hell bent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Ouais, c'est pour ça. Local government, foul bunch. Colonel Allende runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Well, let's get back to it. You gotta keep that. Tellement bien The Guide des Boss, il faudrait que je revoie. Bon, ma mémoire est un peu rouillée sur ce film. The birds around here are always raising hell, scavenging and scaring the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chupa Rosa. Here we'll do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Il y en a sept. Pourquoi il y en a trois que je pouvais pas viser? Parce qu'ils étaient pas encore décollés. Attends, je récolte mes... Je récolte mes plumes de vautour que j'irai très malinement revendre à un endroit où il n'y a pas de vautour. Pas à Tiff's Landing parce que le marchand il arnaque. Donc dans la troisième partie du jeu, dans la forêt. Comme ça, ils diront, ah, mais c'est que ça vit loin, les vautours. Ça vaut peut-être un peu plus d'argent. Voilà. Il y a ce système d'économie dans le jeu. Et c'est quand même assez intelligent. Hein. Et je sais un jeu à monde ouvert où ils ressortent une carte de l'ancien. Alors je sais pas à quelle mesure elle est, c'est la même, mais il y a The Crew 2. Parce que... Pardon, mais je me fous tellement la gueule de The Crew 2. Pour favor, señor. Our back wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, señor. Again, you are the savior of this town. Non, parce que quand même, le concept de The Crew, c'est que t'es une carte gigantesque. Et ils se sont dit, on va... Il y a la mécanique. Encore pire. Mais c'est pas ça le truc, c'est que bon, il y a une carte gigantesque, pourquoi pas. Mais si tu fais un 2 mais que tu laisses la même carte, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de repayer 70 balles? So why are you looking for these two men? It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. Même par exemple, prototype, c'était vraiment de la merde ça. Il y a eu le 2, hein, qui, dans son trailer, Prototype 2, hein, qui dans son trailer de sortie m'avait fait découvrir. Oui, si tu veux qu'on parle de mon compte en banque, pourquoi pas. Mais m'avait fait découvrir Earth de Johnny Cash. Ah oui, j'étais un peu vieux. Je connaissais la version
Enfin, moi, j'ai pas le temps de chasser le tatou. Je connaissais la version de Nine Inch Nails, donc la version originale, mais je connaissais pas la version de Johnny Cash avant 2011. Non! Si, peut-être. 2010? 2011? Non, non! Attendez, prototype 1, c'était 2009. Donc, ouais, peut-être... Oh non, fallait pas descendre de cheval, c'était pas mal. Bon. Peut-être 2011. Oui, mais bon, le plus important dans The Crew, c'était la carte, quoi. J'ai découvert en 2011 la version de Johnny Cash, un peu sur le tard, du coup. Et bah, c'était la même carte, les deux se passaient à New York, mais la carte était totalement différente. Non mais je suis d'accord, je sais pas à quelle mesure il y a des changements. Ah, coupure de réseau. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later and we'll call things about even. Cool, alors attends. J'ai pas envie de déclencher sa mission, mais j'aimerais bien aller au marchand, voir s'il n'y a pas des armes à acheter. Parce que j'ai pas mal de thunes, je vais m'acheter la maison aussi. Non, bah bon, le 12, c'est pas mieux. Hein. 200$, wow. Ah ouais, mais j'ai la tenue. Ah, c'est parce que ça servira, je peux pas changer de vêtements. Oui, c'est quoi que je voulais dire? Ouais, le 2. Non, le 2 est grave. Apparemment, il est grave critiqué et vraiment pas bien, quoi. Ah, cette tenue, comme je la kiffe. Cet hommage au bon, la brute et le truand, quoi. Mais t'avais fait là, moi j'avais fait juste la bêta. Ça m'avait assez vite saoulé. Bon. Oh les carapaces de tatou, tu vends ça cher mon salaud. Hein. Oh le cerf. Oh le cerf. C'est un investissement. Ah ouais, je savais pas, tu vois. Que c'est quand même réputé comme étant un jeu un peu de merde quoi. Bon le tatou, je sais pas où est-ce que ça se vend le plus cher. Alors le coyote mon gars, t'en veux, t'en auras. Hein. Je vais garder que le, le tatou sur moi. J'ai tellement de trucs. Oh j'ai de l'or. Oh le loup. Le loup, ça vaut tellement cher ici. Ils ont pas de loup dans la région ou quoi? Regardez ma thune, regardez ma thune. Bon, plume de vautour, faut clairement pas y vendre là. Peau de raton laveur. Oh, le raton laveur, c'est un... C'est un vrai business hein, dans le coin. Bon, ça, ça divisait la course en deux. Obligé de... Oh le faucon. Oh j'ai pour 126$ en plume de faucon. Ah bah j'ai fait... Ouais je viens de gagner 1500$. Ah ouais je vais pas me plaindre. Hein. Campement amélioré. Ça c'est cool. T'as rien intéressant. Okay. Ah, du coup, vous étiez. Toi, t'étais dans le groupe. Toi, t'es dans le peloton, lui, t'es dans le groupe de tête, quoi. C'est l'idée.
amigos. Mr. Marston, how the devil are you? Fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, estaba con, Randy Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. Teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? A man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. You can take the train with me or ride yourself. It makes no odds. Je vais prendre le train avec toi. Some things about you, John Marston. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? Some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. T'es tout seul, mec. It isn't easy getting the locals to talk. Vraiment un stream de l'ennui, quoi. Y'a personne. C'est la première fois que je fais cette mission en prenant le train. C'est la seule façon de voyager, donc ils continuent de me dire. On va sortir de Casa Madrugada et rider de là. Bon, s'il y a encore personne, je m'arrêterai à la fin de cette mission, tant pis. Parce que toi, on peut se parler sur Steam, quoi. Ouais, c'est pour ça, je termine cette mission et après je stop. Je streamerai peut-être demain soir, hein. Je sais pas s'il y a un truc de prévu. De toute façon, vu qu'elle va changer d'horaire, faut que je l'habitue à streamer quand elle est là. Il est tellement droit. Ah, c'est bon. En fait, l'animation était pas bonne. Là, il a la bonne animation. Mais il a fait l'animation où il est resté comme ça et ça faisait trop bizarre. Je vais essayer. Putain, voilà. Mais il fait encore nuit dans ce putain de pays. Septembre. Apparently close to their leader Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason. Pretty young thing. PYT. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Mais faut que je n'ai pas l'habitude de mettre une vidéo qui prévient. Looks kind of sleepy, don't it? Oh, there. Slow
find this Carlos guy. Ça va être tout seul quand c'est un jeu que je connais pas et faire juste pour la VOD YouTube, ça me dérange pas. Je l'ai fait tellement longtemps. Mais quand c'est un jeu que j'ai déjà fait, que je connais, j'avoue que ça m'emballe moins. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves. Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. All right, let's find Luisa. Go! Whoa there! Slow down! Je dois être pas dans du cheval. C'est peut-être un peu overkill le cheval. Ah ouais, la différence de zoom, elle est hardcore. C'est bugué ce coup. Comment ils savent qu'on arrive? Ça n'a aucun sens. Tellement cool le revolver dans le jeu, en fait c'est ça tire vachement vite et maintenant qu'il fait des dégâts conséquents, enfin ça tire vite, c'est pas ça, mais tu gardes un dynamisme que t'as pas avec les fusils quoi. Il y en a un qui tire super vite mais je l'ai pas encore. Ça arrive par où? Ah, par là, ok. J'ai toujours que le fusil à double canon, putain, ça craint quoi. T'as essayé le nouveau héros d'Overwatch? Come on, boy. Poor girl's barely alive. Right, let's see if we can all get out of here in one piece. C'est abusé, c'est que le mec a survécu.
Il s'est pris... Quoi ? Ouf, c'est un peu violent ça. Il s'est quand même pris 3 chevrotines, il était toujours debout à courir. Ah, regarde-moi avec la première, elle tue pas parce que bon, elle touche. Ouh. La première, elle tue son pote donc elle le tue pas, je peux. Regardez! Mais c'est un truc de ouf! Mission carabine x 0. Ah bah merci! Ça me fait plaisir! Ah, pardon, je suis allé trop vite pour Monsieur Ricketts. C'est un hamster! À cheval, revolver c'est quand même pratique. Let's go before any more of them show up. I've given you enough chances to walk away. Des coups de feu là-bas. Let's go. Ah, c'est pas lui qui a survécu. Ah, c'est tellement jouissif de faire ce genre d'action. En fait, ce qui me kiffe, je crois que ce que je kiffe le plus dans les jeux Rockstar, c'est les animations des cas, enfin, comment les mecs tombent quand ils meurent. Tellement kiffant. Putain, contre cheval. Saute là, cette falaise. Merci. Et là, le mec, la balle à l'arrière du crâne, en train de courir, c'était magnifique. Thank you for saving me. You're good men, friends of the people of this land. Was someone named Harvey Esquire one of the men holding you? No, I don't know. I don't think so, but I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yeah. Ah bah, je vais retourner à Chuparosa et on va arrêter là pour ce soir. Hein. Je vais essayer de restream demain. J'espère qu'il y a un peu plus de monde. Bah là, il y avait un... C'est con, il y avait un feu de camp. Ah, je vais peut-être essayer de trouver le trésor. Il faudrait qu'il fasse jour pour ça, ça serait pas mal. Alors,
que des informations que je peux récupérer quand même à partir du trésor. Enfin, à partir de la carte. En fait, la carte me montre juste les rochers. Mais c'est quand même super. Il y a des cactus, donc je suppose que c'est au Mexique. Et il y a cette forme de main vers le soleil, mais c'est un petit rocher. J'ai pas l'impression que c'est un rocher énorme. Et je me trompe de direction là. Ouais. Alors, c'est quoi en face de moi? Eh, hey, je suis là. Oh, un rocher bit. Non mais c'est clairement pas ça. Ces rochers là sont beaucoup trop gros. C'est quand même une sacrée phallus. C'est plus vers Chuparo, ça, je sens. Voire même peut-être vers Escalera. Donc à l'opposé du Mexique. Mexico! Mas, 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 por favor. Mas, 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 si, si, señor. Du, 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 du. Du, 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 du. Alors c'est marrant. Le. Twitch me dit que dans ma liste de spectateurs, j'ai beaucoup de monde. Bien entendu, personne que je connais. Mais genre, j'ai 9 spectateurs dans la liste des spectateurs. Mais il me dit que j'ai que 3 spectateurs. Non, mais démerde-toi, mec. Non, je veux pas rendre la charrette à son propriétaire. Oh bah ça, c'est long, c'est fin, ça se mange en fin. En fait c'est abusé, ils ont mis Monument de Valley au Mexique, ça n'a aucun sens. Ah ça pourrait ça, non ça ressemble pas à ça. Non mais je le saurai, quand je le verrai je le saurai. Alta cabeza, c'est-à-dire la tête haute. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is older, older than the trees. Younger than the mountain, blowing like a breeze, country road. Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Ah mais les loups me traquent hein. Putain, j'en ferais bien un petit Max Payne 3 aussi.
Soy un perdido. Et c'est si grand le Mexique. Est-ce qu'il y a un chemin pour descendre d'ici ou est-ce que je suis en train de m'aventurer dans une galère sans nom? Moi je m'en fous, hein. Je descendrai. Coûte que coûte. Alors. Allez, ça se tente. Surtout, reste bien sur les appuis, John. Non, c'est pas les appuis, ça. Oh bah, je suis mort. Vendredi à Paparc, Europa Park. Oh putain, je viens de voir un tweet d'un mec qui avait eu des problèmes parce qu'il faisait des... Oh non, je suis là! Non, c'est pas possible, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. On va se faire une petite TP. Oh, c'est qui ça? Je vous connais. Ah, d'accord. On va se faire une petite TP. Ah, mais peut-être qu'il est dessiné sur la carte, le caillou en question. C'est possible, hein. Bon, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression. Je pense que ça pourrait être par là. Je crois pas. Bon, on va se TP. On va se TP, super Rocha. J'ai descendu dans mon jardin. Pour cueillir du romarin. On va s'arrêter là parce que de toute façon j'ai zéro viewer. Ça ne m'intéresse pas. Trajet express. Ça le repère. Je trouverai bien en me baladant. Allez, j'ai arrêté le stream là. Je vais juste aller me sauvegarder. Ça sert à rien de continuer. Bon, 1h30, ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Je peux le sauter, ce de... Putain, il a une sacrée détente, hein. En vrai, c'est haut, hein. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. Enfin, les gars, les MOOC, à la prochaine. Pour YouTube, je suis désolé, la vidéo... Enfin, la vidéo est un peu courte. 1h30. Pour des gens, c'est peut-être trop. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Juste prendre des munitions là-dedans. Et je vous dis du coup, prochain stream, peut-être demain, peut-être vendredi, enfin certainement vendredi. Des bisous, salut, salut!